Good morning, Aleid, et tu seras aujourd'hui le Lui Nishmat, Janine Ruth, Bat Fortune, Mazal Fritna, Léa, Raya, Bat Mazal Tov, Lucien, Bat Reina, et Claude Shlomo Ben Shalom. Si vous souhaitez aussi étudier une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternel, nous étudions la Sechet Gitin, Perek, Aleph, Mishnah, Delet, Echad, Gitin, Hashim, Vechad, Shichru, Rei, Avadim, Shavu, la Molir, Vela, Mevi, Vezu, Echad, Minadrachim, Shishavu, Gitin, Hashim, Le Shichru, Rei, Avadim. Mishnah très courte, qui va être très facile à expliquer, et ça va être l'occasion un petit peu de. On va faire une petite synthèse des notions nouvelles qu'on a apprises dans les trois précédentes Mishnayot. D'abord, je traduis Echad Gite Nashim, qu'il s'agisse des get des femmes, Echad Shichru Rei Avadim, ou qu'il s'agisse des get d'un get de libération des esclaves. Shavu la Molich Vela Mevi, ils sont équivalents, donc ils ont en point commun la nécessité de cette halakha particulière lorsqu'on l'amène ou lorsqu'on l'apporte, lorsqu'on l'envoie ou lorsqu'on le reçoit. Soit, en fait, en un mot, autant que pour envoyer un get à sa femme qui est à l'étranger, il faut qu'on précise, il faut que le chaliar, quand il arrive, il doit nous dire Befanaï Nirtav ou Befanaï Nirtam, que le get a été écrit en bonne et due forme, comme ça on va le questionner et il va nous répondre qu'il a écrit Nishma comme il faut. C'est un impératif, d'accord? Eh bien, la Mishnah vient m'enseigner maintenant qu'il en va de même aussi pour lorsque je libère mon esclave. Que j'ai laissé un esclave, par exemple, à peu importe où. Je suis venu en Israël, j'ai laissé un esclave en France, et au bout de 2 ans, j'ai envie de le libérer. Ouais, ça fait 2 ans que je suis travaillé. De toute façon, il n'est plus avec moi. Allez, on clôt l'histoire. Je l'envoie à un get avec un envoyé. J'ai un ami qui part prochainement en France. Je lui donne un guet, je lui dis, écoute-moi, tu vas apporter, tu vas l'apporter à mon esclave, tu vas lui donner. Eh bien, il faudra que lorsqu'il arrive, qu'il dise, Befanaï Nirtam, pour vérifier qu'elle est écrite en bonne et due forme, qu'il s'agisse que je l'envoie d'Israël en France, ou de France en Israël, dans les deux sens. Et ça, c'est, Vezoechad minadrachim, Sheshavu Kitenachim, Neshirkura Avatim. C'est un point commun qu'ils ont les guettes des femmes avec les guettes des esclaves, à la différence de tous les autres contrats. Voilà pour la traduction exacte de la Mishnah. On va expliquer un brin mieux la Mishnah, Bezrat Hashem, avec un petit, une petite synthèse. Soit, d'abord, lorsque je veux libérer un esclave, je dois aussi lui écrire un get. Vous saviez ça sûrement. Qu'on écrit un get shichrur. Et qu'on écrit toujours un get shichrur lorsque je veux libérer un esclave. Même un esclave juif, même un esclave goy. Un esclave goy, ça veut dire que je l'ai acheté, qu'il a été trempé au migvé. Qu'il a imposé de mitzvot comme une femme, et eh bien dès lors, il doit, si je veux le libérer, alors je devrais lui donner un guet. Ce guet-là, il doit aussi être écrit l'ishmo. Il doit être écrit aussi l'ishmo au nom précisément pour lui. C'est-à-dire que si j'avais un esclave, on avait deux esclaves qui avaient le même nom, j'écris un guet pour l'un, je n'aurais pas le droit de le prendre et de le donner pour l'autre, parce que je dois l'écrire l'ishmo. Et alors maintenant, donc du coup, la Mishnah vient m'enseigner le même principe. Lorsqu'on apporte un guet de l'étranger ou lorsqu'on envoie un guet à l'étranger entre Israël et l'étranger, alors il faut nécessairement témoigner que Befanaï Nirtav ou Befanaï Nirtam, que le chaliar qu'il apporte, certifie qu'il a été écrit devant lui, pour qu'ensuite on va lui poser des questions pour s'assurer qu'il a été écrit en bonne et due forme, comme la halakha le précise, à la différence des autres shtars qu'on peut envoyer. Imaginez que par exemple, j'envoie un contrat pour vendre, j'ai quitté la France, j'ai laissé ma maison là-bas. Puis maintenant, j'ai quelqu'un qui veut l'acheter, j'envoie un contrat pour lui donner un guet là-bas. Un shtar. Lui donner un shtar pour acheter la maison. Là, lorsque le chaliar arrive, il n'a pas besoin de dire que Befanaï Nirtav, c'est plus nécessaire de témoigner tout ça. D'accord? Je vais profiter d'avoir une Mishnah relativement courte pour expliquer maintenant un nouvel aspect à toutes ces Mishnayot. Soit, Ces sujets-là, dans la Gemara, ils avancent en parallèle pendant quelques dapim, avec deux manières d'interpréter ces Mishnayot. Jusqu'à maintenant, on expliquait que toute la nécessité de dire « Befanaï Nirtav ou Befanaï Nirtam », c'était essentiellement par rapport au fait qu'à l'alakha particulière d'écrire un shtar lishmo, lishma. Lishma pour une femme, lishmo pour un esclave. La nécessité d'écrire un guet spécifiquement qui soit fait avec intention pour cet esclave, avec tel nom qu'on ne peut pas le passer dans l'autre, c'est une halakha particulière. C'est un premier avis c'est un avis essentiel. On a évoqué un petit peu, maintenant on va un petit peu mieux expliquer qu'il y a un autre avis qui explique toutes ces Mishnayot avec une toute autre approche.
que la problématique de ces Mishnayot, en réalité, ce n'est pas le problème du Lishma, c'est tout simplement le problème d'avoir des Edim Metsuin Lekaimo, avoir des témoins fréquents pour pouvoir certifier un shtar. Et là, on va expliquer un principe généraux qu'il y a dans les shtarot. C'est assez particulier en fait. Imaginez que je vous sors un contrat que vous me devez 10 000 shekels. Et c'est même signé avec votre signature. Qui certifie que alors, il y a deux signatures de Reuven et Shimon plutôt. D'accord, donc on a des témoins, ça a été signé. Qui certifie que c'est pas moi qui ai pris qui est signé avec n'importe quoi? Qui dit que Reuven était là et Reuven et Shimon ont réellement attesté ce contrat, sur un contrat qui a dit qu'il est vrai? Pour pouvoir certifier le contrat, il faut nécessairement qu'on va avoir deux témoins pour chaque signature qui vont nous dire oui, je reconnais la signature de Reuven dans les petites finesses, c'est pas de l'à peu près, c'est exact. D'accord? Il faut vraiment être un professionnel. C'était fréquent en réalité, c'est un moyen de communication assez fréquent. Imaginez pour même à notre époque, j'imagine, bon, peut-être qu'aujourd'hui avec le iPhone, c'est devenu un peu différent, mais à l'époque, lorsque je partais, je travaillais chez mon oncle pour aller acheter au nom de la société, aller acheter tel ou tel produit. J'arrivais, je montrais une signature que je venais de telle société. D'accord? Et comme ça, grâce à ça, on trouve ça certifié que dans ce cas-là, j'en ai là-bas. Bien évidemment, une condition sine qua non, c'est que lorsque je donne le contrat, que lorsque je donne la signature, que la personne qui est de l'autre côté, qui reconnaît sa signature, sinon qu'est-ce qu'on a fait? Peut-être j'ai moi certifié et qu'il va me donner la marchandise. Ça ne marche pas comme ça. D'accord? Donc, les gens, ils connaissaient leur signature exactement, dans les petites finesses. Il y avait des petits coups de vis. Chacun avait sa signature, sa manière de signer, avec un peu plus de nerfs, avec un peu plus de trucs. Il y avait une histoire, entre parenthèses, allez, je vous la raconte très vite fait. Il y avait une fois, avec Rav Tzvi Yehuda Berlin, le natif. Ouais, Tzvi Yehuda Berlin s'appelait. Naftali Tzvi Yehuda Berlin. Et Naftali Tzvi Yehuda Berlin, à son époque, c'est l'époque dans les Shivot Litaïot, il souffrait énormément des maskilim, le mouvement d'émancipation qui ont voulu tout détruire, l'alliance a commencé là-bas et tout ça. Et c'était une suite de ça. Une fois, il a été mêlé dans une affaire où il y avait comme si qu'elle avait signé un papier contre l'État, un truc qui portait préjudice. Et il avait signé un papier comme ça, en son nom, comme si qu'elle avait osé faire un affront à l'État, au gouvernement. Et du coup, tout le monde était très stressé. Comment est-ce qu'il allait faire? C'était une super falsification parfaite, avec sa même manière de trembler et tout ça. Et lui, lorsqu'il a vu la signature, il a dit, vous inquiétez pas, aucun problème. Tout le monde n'a pas compris comment. C'est exactement la même signature. Tu prends les deux, tu compares, c'est la même avec les mêmes petites finesses. Et en fait, lorsqu'il s'est retrouvé devant le Moshel, il lui a apporté une série de signatures où il avait signé. Il lui a montré qu'en fait, lorsqu'il signait Tzvi Yehuda, si vous faites attention, il y a Tzvi, ça finit avec un Yud. Et Yehuda, ça commence avec un nouveau Yud. Lui, il avait l'habitude de faire Tzvi Yehuda, de signer en entrée comme ça, Tzvi Yehuda, en mettant un seul Yud qui comptait pour le Tzvi, pour le Yehuda. Donc du coup, celui qui a falsifié, il a fait Tzvi Yehuda. Il a bien réussi à trembler comme le natif, il avait l'habitude de faire, ou je sais pas, ou d'écrire nerveusement. Mais en tout cas, sur le coup là, des deux Yud, quand il a pris la signature, il avait pas capté que c'était systématique. Et donc comme ça, d'accord? Je reviens maintenant sur le principe. Donc, pour pouvoir certifier un contrat, il faut nécessairement avoir deux témoins qui ont témoigné que je reconnais la signature de Reuven, je reconnais la signature de Shimon. Donc, on est sûr que Reuven et Shimon ont signé. Et en fait, il y a une manière d'interpréter toutes les Mishnah qu'on a vues jusqu'à maintenant, que la problématique de notre Mishnah, ce n'est pas à cause du Lishma, c'est tout simplement que si on habite nous en Israël, et des gens qui habitent à l'étranger, il n'y a pas forcément de va-et-vient fréquent, et on risque de se retrouver avec une femme qui ne va pas plus pouvoir se marier parce qu'elle ne va pas avoir de guette. Si on va avoir des témoins qui vont venir, qui ne vont pas certifier, et qu'après le mari va venir, il va les contester, il va dire c'est pas moi qui écris, ça peut nous faire toutes sortes de complexités. Et donc du coup, on a imposé que celui qui apporte, qui fasse du travail complet, t'apporte un guet de là-bas, on veut que quand tu apportes le guet de là-bas, que tout de suite toi tu le certifies, même si en général, on a même fait une coula, qu'en général il nous faut deux témoins, là cette fois-ci on a dit, si le chaliach lui-même, au moment où il apporte le guet, il nous raconte, on le croit, on lui donne crédit 100%, comme ça, le mari ne peut plus contester et on a un guet capé. Après, on peut continuer à faire fonctionner le monde. D'accord? On a reçu le guet et directement, on le donne à la femme et elle peut divorcer. Pas, on va rester bloqué en train d'attendre que peut-être qu'il va être
certifié ou pas certifié. C'est le principe général, comme ça. On se retrouve avec maintenant toutes les Mishnayot qui fonctionnent sur le même principe, et en l'occurrence aussi de nouveau, que la Mishnah que nous avons, que même la même chose aussi pour un esclave qu'on veut libérer, qu'il faut que lorsque le chaliach apporte le guet, qu'il lui dise aussi, sinon le pauvre chaliach, le pauvre esclave va rester toute sa vie sans pouvoir se marier, parce qu'il ne va pas pouvoir se marier avec une juive ou même une convertie, et pas non plus avec une esclave. Un esclave, il peut se marier qu'avec une esclave, et un esclave affranchi, il peut se marier avec n'importe quelle femme, comme un converti. Et donc du coup, il se retrouve entre les deux, il n'a pas encore reçu le guet, il n'a pas encore été certifié. Donc du coup, on a imposé que lorsque tu apportes le guet de l'esclave, ça s'appelle aussi un guet, le shtar de l'esclave pour le libérer, eh bien, tu dois aussi le certifier. On t'impose de le certifier, c'est un peu plus casse-pied, mais on gagne au change qu'au moins, dès que le guet il est arrivé, il a été transmis, ça y est, l'esclave, il peut déjà aller se marier et faire ce qu'il veut, sans qu'on ait besoin encore d'avoir d'autres preuves à l'appui. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, comme tout, vous savez.